que je vais la lire la vérité. Je suis même assez content de pouvoir le faire, parce que jusqu'à maintenant à la télé on m'a toujours demandé de me calmer plutôt avec cette histoire. C'est moi qui leur foutais la pétoche. Aujourd'hui on me demande de dire la vérité, tu parles que je vais pas rater l'occasion, que je vais la dire. Je vais dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et le monde va éclater, et le monde va éclater, et le monde va éclater comme une bulle de savon. Nous savons au fond de nous, mais faut que je la dise, faut que je la tease. Je vais dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et le monde va éclater, et le monde va éclater, et le monde va éclater comme une bulle de savon. Nous savons au fond de nous, mais faut que je la dise, faut que je me sacrifie. Ce n'est pas moi qui ai cassé les deux tours, c'est Lady Di. La preuve, elle s'est entraînée sous le pont de l'Alma. Et ce n'est pas Mohamed Atta qui conduisait la Benz, s'il y en a qui le pensent encore. Par contre, c'est vrai, j'ai été agent de la CIA jusqu'au bout et j'ai un scoop. Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Immortel comme un épouvantail, grâce à l'oncle Sam. Pas comme le pauvre oncle Saddam, au centre du Ramdam. Aujourd'hui, retiré à Amsterdam, je fournis en Afghan les Kofi. Donc tu l'as compris, je suis plus Puffy que B.I.G. MC Ben Laden, véritable OG, véritable Machiavelli. Pas pour de rire comme Tupac et Elvis. J'Elvis, le tournevis, le pendule et la corde du pendu autour de la ceinture. Dis-moi quel Maccabé peut rouler sur son scooter dans les rues du quartier rouge et relever les compteurs de ces putes.